suite à une réunion du ministère de l'Éducation, l'ON projet qui nous tendait appelle le Mauritius Educators Council. Et nous déplorons le fait que beaucoup de syndicats partent dans sa réunion-là parce que plusieurs fingers est en retard. Donc, nous partons présents dans sa réunion-là. Il n'a pas gagné du tout. Deuxième affaire, c'est que nous apprenons que ce n'était pas une réunion de consultation, mais c'était une réunion pour donner un PowerPoint presentation d'un projet du ministère. Donc nous, au niveau du syndicat, nous déplorons la manière de faire du ministère. Et aussi, nous posons une question, qui fait et dans sa rush là, qui fait un peu précipiter à la veille d'une élection pour venir qu'un projet, sinon un projet de loi, qui pour englober un peu le ban professeur, l'organisation même ban professeur dans le pays. Nous déplorons le manque de consultation, nous ne comprenons pas qui fait l'empressement, et ce qui nous déplorait, qui est plus grave encore, d'après le PowerPoint qui nous trouvait, c'est qui nous déplore la constitution même du Teachers Council, du Educators Council. Nous trouvons là-dedans une avoir 8 éducateurs au Council là, mais en plus de ça, 9 membres, 9 les autres membres, qui ministère choisir. Donc, il est logique, c'est une décision pour prendre, pour y avoir 9 contre 8, mais c'est tout un ministère qui peut venir gagnant et qui peut venir de l'avant avec ce qui lui est possible. Donc, Educators Council est déjà là en flou. Quand il s'agit de Quality Assurance, comme ma camarade Gopit disait, c'est un désastre. C'est un désastre parce qu'il peut faire des affaires au petit bonheur, peut réécrire des bandes de monde, peut mettre dans l'inspectorat, il y a une tige de 2 ans, 3 ans là-dedans. Pour rendre un professeur qui se classe 25 ans d'expérience, il a rentré, mais pas sociser ça. Ni pas comprendre. Donc, un syndicat, tout un camarade qui est présent, nous demande la suspension immédiate de ce projet-là. In toto. Jusqu'à ce que le ministère consulte tout un syndicat. Nous pouvons attendre le ministère qui décision pour prendre. Nous pouvons créer le ministère de l'éducation officiellement là, pour dire que c'est action des projets là et nous attendre qu'il y réponde nous. Parce que s'il n'est pas pour répondre nous, nous pouvons donner ce temps de grâce. Ce grace period nous pouvons donner nous. Mais là, s'il n'est pas pour se communiquer avec nous, la première action que nous faisons, c'est nous pas faire une manifestation devant le ministère de l'éducation. Et ça pour une répercussion très grave dans l'élection qui peut venir. Qu'ils ont besoin de faire bien attention, nous dire.